milliards, on investit dans l'importation de la tomate. Les enjeux sont énormes. C'est toute cette vision qui nous vaut aujourd'hui, toutes ces manœuvres qui sont orchestrées avec pour seul objectif de faire en sorte que l'exemple du Burkina ne réussisse pas et surtout que l'exemple ne fasse pas tâche. La dynamique prise aujourd'hui au Burkina Faso va montrer à chaque citoyen burkinabé que nous sommes pouvoir être réduits à des simples consommateurs. Et que si nous, on se met ensemble, on devient une force extraordinaire. Quand on prend le fonds de soutien patriotique, aujourd'hui, les moyens militaires que nous avons acquis en une année, vous pouvez les visiter les annales, peut-être depuis pratiquement la révolution jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu doter notre armée de cette puissance de feu en une année. Et c'est grâce à qui ? C'est grâce au Burkinabé. Le fonds de soutien patriotique, aujourd'hui, je pense que chaque citoyen burkinabé, quand il voit passer nos combattants bien équipés, il doit être fier de dire « j'ai contribué ». C'est grâce aussi à ma contribution que nos combattants, que ce combattant est si bien équipé pour protéger notre pays, pour reconquérir l'intégralité de notre territoire. C'est le même enjeu qui se joue dans l'actionnariat populaire. Ça fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, il l'a dit, les pays voisins s'inquiètent déjà que le Burkina ne puisse plus être la source d'approvisionnement en tomates. Vous savez comment ça se passe? Le véhicule, le camion quitte un pays voisin, il vient se positionner bord champ. Il dit aux producteurs de tomates, nous allons payer la caisse à 5 000 francs. Le producteur dit non, moi c'est à 10 000 francs ou à 15 000, je veux vendre. Il ne se presse pas. Il est dans son véhicule, et puis bon, il se promène. Il sait que la tomate est périssable. Le producteur demain, quand il va venir trouver que la tomate a commencé à mûrir, et que ça commence à se gâter, il va courir lui dire, il y a 5 000 dièles à tracer à côté, il faut amener rapidement. C'est ce que nos producteurs subissent. Obligés de vendre et de grader leur production à vil prix. Une usine de transformation de tomates aujourd'hui, ce n'est pas que la transformation, parce que c'est toute la production qui va se structurer. Nous tous, je suis convaincu que dès que ces usines vont commencer à tourner et que toute la tomate produite a déjà une garantie de débouché, nous allons tous repartir au village et dire à notre tantine, notre tonton, produire de la tomate. Parce qu'à coup sûr, une fois que la tomate est produite, il y a un acheteur qui est là pour la transformation. Soyons tous des acteurs de la transformation positive de notre pays. Aujourd'hui, quand on écoute les discours du capitaine Thomas Sankara, on n'a pas l'impression que ce sont des discours de 1983 à 1987. Enfin, peut-être qu'à cette période, nous autres, on n'avait pas encore la conscience et la maturité pour pouvoir comprendre ce qui se jouait. On a l'impression que c'est aujourd'hui que le capitaine Sankara parle. Mobilisons-nous, faisons de nos entreprises communautaires une réalité dans les plus brefs délais. Et c'est le bon moment que, comme ils ont expliqué, souscrire une part d'aujourd'hui, c'est être actionnaire dans 4 projets différents. Ce n'est pas évident qu'après cette étape, les autres phases vont offrir les mêmes opportunités. C'est pour cela que je pense qu'il faut aujourd'hui que nous ne soyons pas des symptômes qui attendent de toucher pour se rassurer. Aujourd'hui, souscrire à l'APEC, c'est un investissement sûr. Et je peux vous assurer que une fois que les usines vont entrer en production, chacun de nous, quand on va rentrer dans une alimentation, on préfère payer cette tomate-là. Parce que c'est nous, c'est notre tomate. Et en plus, ce que nous achetons, les bénéfices, c'est encore pour nous. C'est pour ça que je salue la vision, que je salue la dynamique au niveau de la paix, de faire en sorte que chacun en prenne conscience. Vous ne pouvez pas être une entreprise qui souscrit à un marché de la paix et puis vous n'êtes pas actionnaire de la paix.
Nous ne pouvons pas vouloir être fournisseurs de la paix d'une manière ou d'une autre sans en être souscripteurs. Donc ça montre que tous ceux qui sont dans la chaîne ont intérêt que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, c'est son entreprise. Donc, en tout cas, plein succès à tout le monde. Vivement que chacun en prenne conscience afin que nous soyons tous acteurs d'un changement historique, non seulement pour nous, et surtout que dans 10-15 ans, tous nos enfants puissent dire « Papa, maman, vraiment vous nous avez fait du bien parce que vous avez su au bon moment prendre des décisions qui étaient difficiles, mais vous avez su les assumer en dépit des obstacles, en dépit de toutes les manœuvres, pour que nous aujourd'hui nous puissions profiter de conditions favorables de vie au Burkina Faso. En tout cas, merci à tous. La patrie de la mort, nous avons encore.